Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour ce nouvel épisode sur WWE 2K19, c'est SmackDown Live et nous sommes à Saint-Pétersbourg. Oh, ça va être fou ce soir! Et oui, quoi de mieux que de commencer la soirée avec The Viper, The Apex Predator, Randy Orton. Eh oui, on ouvre cet épisode avec la légende. Il ne vient de Saint-Louis dans le Missouri, Randy Orton. Et ce soir, il va faire équipe avec quelqu'un avec qui il s'entend plutôt mal. On sait que Randy Orton et Zack Ryder, là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais c'est la mésentente, ils s'entendent pas trop les deux, voire pas du tout. Et ce soir, ils doivent faire équipe, hein, donc il va falloir s'entendre entre les deux. Et peut-être même remporter le match. En espérant qu'il n'y ait pas de dérapage, hein, de bagarre entre les deux. Ce serait... Bon, ce serait plutôt pas mal, mais ce serait quand même un peu dommage. On va pas se mentir. Randy Orton, on rappelle que le 16 décembre aura lieu WWE TLC, qui sera diffusé en direct sur ma chaîne. Et oui, pay-per-view diffusé en direct à nouveau sur ma chaîne. On a hâte. On a très hâte. Et peut-être que les deux vont s'affronter lors de TLC. Et peut-être même dans un match à stipulation. Et peut-être un tables match. Peut-être un ladder match. Bon, même s'il n'y a rien à choper. Ou peut-être même un TLC match. Et voici donc son partenaire qui nous vient de Long Island, New York, The Long Island Z, Zack Ryder. On va voir si les deux vont s'entendre pour au moins un soir, un match en équipe. Il faut que ça fonctionne, hein. Sur toutes leurs adversaires du soir, hein, qui vont être Sanity. On ne sait pas encore qui de Sanity, mais on sait que ce sera Sanity. Il va vraiment falloir être là, quoi. Et donc, on le reconnaît à la musique. C'est l'Irlandais qu'on va accueillir. Killian Dane. Killian Dane qui nous vient de Belfast, Ireland. Belfast en Irlande. Premier membre de Sanity. On va voir si ça va être avec Eric Young ou Alexander Wolfe. On va voir, mais en tout cas, Randy Orton et Zack Ryder, ils ont du pain sur la planche. Ça va pas être facile. Et pourtant, il va falloir s'accrocher. Même si les adversaires sont coriaces. Hein. On va voir comment ce match va se dérouler. On aura également Nikki Bella qui va affronter Ronda Rousey. On rappelle que lors du dernier épisode de SmackDown Live, Ronda Rousey a attaqué Nikki Bella par derrière. La traîtresse Ronda Rousey. Le main event, on aura le WWE Champion Finn Balor qui va affronter le Miz. On rappelle que le Miz était venu à la fin du match de Finn Balor pour le défier en quelque sorte. Et ce soir, les deux vont s'affronter. On va voir le résultat. Peut-être que le Miz va affronter Finn Balor lors de TLC. Ce serait bien. Hein. Ce serait vraiment, vraiment très bien que ce match ait lieu. En tout cas, on espère avoir un épisode de SmackDown Live.
haut en couleur. Oh, les fans réagissent plutôt négativement à la musique. C'est du champion des États-Unis, Eric Young. C'est la musique classique. Et oui, c'est bien lui, Eric Young, le champion des États-Unis. Et oui, il nous vient de Nashville, Tennessee. Et c'est bien lui. Et oui, Sanity. Le chef est là. Et oui. On commence à être chaud. Hein. On a de gros noms déjà pour commencer cet épisode de SmackDown Live. Et ça commence direct avec un match par équipe. Sauf que là, Sanity n'est pas accompagné d'Alexander Wolfe, le troisième membre. Donc il n'y aura pas d'intervention hein, pour le coup. Extérieur dans le match, ce qui peut être bon pour Randy Orton et Zack Ryder s'ils s'entendent plutôt bien. Eric Young, le champion des États-Unis, qui avait perdu, ouais, il avait perdu face à Sami Zayn lors des Survivor Series. On a hâte de le voir défendre sa ceinture, Eric Young. J'espère lors de TLC, j'espère qu'on aura beaucoup de matchs. Surtout le titre féminin. Je veux que les titres féminins soient défendus lors de TLC. Et ça se rapproche petit à petit, ça se rapproche. Ça se rapproche même très vite puisque c'est dimanche prochain. C'est parti en tout cas. Ah, oh là. Déjà, Randy Orton qui veut commencer le match alors que Zack Ryder voulait. Déjà. Oh, Randy Orton qui porte Killian Dane, hashtag SD Live, qui projette Killian Dane en arrière. Et déjà, il y a une petite confusion là, de la team du soir. Et le coup de pied sur Killian Dane. Et il le traîne par le bras pour le remettre vers le centre du ring. Un coup de genou dans la face. Tourne. Attention, non. Ah, il blesse la jambe à gauche. Oh, Zack Ryder dans le dos qui fait le tag. Oh, Randy Orton le coup de poing dans la tronche. Mais il est sérieux. Et je savais. Je m'en doutais qu'il y aurait. Ah, bah ouais, mais du coup, Zack Ryder est tout seul. Randy Orton se barre. Zack Ryder est tout seul. Oh my god, comment il va faire? Oh my god. Killian Dane avec le World's Strongest Slam. Randy Orton qui en a eu marre de son partenaire du soir. Et c'est vraiment tendu hein, entre les deux. Ça prouve bien qu'il y a vraiment une tension. Il a abandonné Ryder. 1. Non, même pas 1-0. Arbitre n'a pas eu le temps de compter. Peut-être un changement. Oui, avec Killian Dane, the United States Champion. Attention, il ramène au sol. Tentative de tomber. 1. Même pas 1. 0. Et c'est devenu un match handicap. Oh, le saut chassé. C'est repoussé. Zack Ryder. Allez. Il faut qu'il montre de quoi il est capable. Wow. Il a projeté Eric Young à l'extérieur. On va se battre à l'extérieur du coup. C'est un match simple, il y a les décomptes extérieurs. Et le neckbreaker. Oh, le kick et la Temi. Wouh! Oh, le coup de poing. Attention, il porte Zack Ryder, celui-ci s'échappe, un coup dans le dos. Attention, Zack Ryder. Ah, oh, il fait tomber Rick Young sur son genou. Et Ryder est de retour. Et Eric Young aussi dans le ring. Attention, coup de coude. Il était parti pour une German suplex peut-être.
Attention, et le retournement. Oh! Zack Ryder avec la tentative de tomber. Un dégagement. Dégagement. C'est encore trop tôt. Et le saut chassé esquivé. Ça, c'est bien ça. Pour Eric Young qui fait le changement avec Killian Dane. Et là, on va moins rigoler là. Coup de poing de Ryder. Coup de pied plutôt. Oh, le crush pat. Oh, s'il y avait Rey Mysterio, il y aurait eu un 619. Mais là, il l'étrangle sur la deuxième corde. Ouais, parce que je vois pas qu'il y a un Dane faire un 619. Hein. Ça va être compliqué. Tentative de tomber. Un dégagement. Une nouvelle fois. Est-ce que Randy Orton va intervenir contre Zack Ryder hein, dans ce match? Je pense pas. Je pense qu'il en a eu marre, Randy. C'est vrai que c'était pas la meilleure idée de mettre les deux en équipe. Sachant qu'il y a une tension là. Ils s'entendent pas du tout. Killian Dane, la puissance de l'Irlandais. Oh, la powerbomb, my god. Zack Ryder qui prend cher. Amène vers le centre pour une tentative de tomber à nouveau. C'est peut-être bon. Un dégagement. Non, c'est toujours pas bon. Au moins, il essaye. C'est déjà pas mal. Oh, on va se battre à l'extérieur à nouveau. Oh, coup de poing de Killian Dane. Non, Zack Ryder, coup de genou. Non, esquive. Oh, le high kick dans le bas du ventre. Et coup de poing, Témi. Et le coup de poing. Non, il a bloqué. Ah, le coup de poing dans l'abdomen. Allez. Et le saut chassé de Zack Ryder. Bien fait ça. Wouh! Wouh! Oh là là, c'est Zatemi! Oh, ça a claqué, hein! Va falloir mettre des glaçons, là, hein. On est à 7, et c'est bon, tout le monde est de retour dans le ring. Oh, il se jette sur Zack Ryder! Et les fans, let's go, Ryder! Wouh, wouh, wouh! Pour l'instant, Zack Ryder, il est tout seul face à Sanity. Oh, Killian Dane, mais que pré... Qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il va? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas Shane McMahon! Mais il est fou! Mais non! Mais c'est pas possible, non! Mais non! Oh my god! Il a sauté d'un coup à l'autre! Oh, Zack Ryder doit être détruit! Détruit! Mais c'est pas possible! Oh, c'est fini. Ah là, c'est fini. Il va pas se dégager de ça, Zack Ryder. C'est pas possible. 1, 2 et 3. Victoire de Sanity. Impossible pour Zack Ryder de se dégager de ça. Alors là, franchement, c'était impossible. Oh, le pauvre Zack Ryder, là. Le pauvre abandonné. Oh, regarde Randy Orton qui vient le narguer. Et il vient le narguer en plus. Oh, c'est pas fini, cette histoire entre les deux. Ça sent le roussi. Mesdames et messieurs, apparemment, on accueille les monstres parmi les hommes. De mètres de muscles, de puissance, de force, de terreur, de rage. C'est Braun Strowman. Oh oui. Ah, y a que lui pour faire peur comme ça. Et vous le savez. Braun Strowman. Un petit titre, lui irait bien. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais... Faut pas perdre espoir, comme on dit. Faut déjà voir l'adversaire qu'il va avoir ce soir. Wow. Wow.
Oh, ça fait longtemps, longtemps. Goldust, the bizarre one. Holy shit. Goldust. Gold Dust et à SmackDown Live ce soir. De l'or arrive à SmackDown Live, mais Braun Strowman, lui, l'or, il le casse en deux, il le fait fondre. Il fait fondre l'or. Pauvre Gold Dust, je ne pense pas qu'il sache dans quoi il va tomber dans ce match. Face à qui et face à quoi, parce que là, c'est carrément le monstre parmi les hommes. The Monster Among Men. On le sait que Goldust, il arrive à la fin de sa carrière. En même temps, c'est une légende. Dans le mode univers, il a été WWE Champion en battant Shawn Michaels dans un Hell in a Cell. Mais c'est également une superstar de l'ère Attitude. Il est là depuis 97 et même moins. Et en tout cas, il est acclamé par les fans. Et Braun Strowman qui le relève. Oh, coup de pied. Oh, brise-mâchoire de la part de Goldust. Ah, la clothesline. Non. Oh, il est resté debout. Il est tombé sur un mur. Et le brise-mâchoire à nouveau. Braun Strowman qui s'écroule. Les fans qui huent Goldust ou Braun Strowman là? Certains, ils sont en train de huer Goldust. Strowman qui le ramène au sol. Regardez-moi ça, la vitesse de l'enchaînement. Il a même pas eu le temps de faire un clin d'œil que Goldust était déjà brisé au sol. Coup de coude. Et la clothesline. Allez, allez, il faut continuer. Regardez, il porte. Et il fait tomber Braun Strowman. C'est bien fait ça, de la part du Bizarre One. Et allez, clé de tête maintenant au sol sur Braun Strowman. Faut continuer sur ce rythme. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et encore. Et il assoit Braun Strowman. Oh, coup de coude dans la face de celui-ci. Oh non, il est parti pour une clothesline, mais Goldust a réussi à revenir, le neckbreaker. Ah, what? What? Carl Anderson, Luke Gallows? Et pourquoi la musique retentit? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est? Eh! Oh! Eh! Carl Anderson, El Cayo! What? Mais c'est quoi ce délire? Mais il sort d'où? Il sort d'où? Mais il est sérieux? 1, 2, et 3. What the fuck is that? Mais non! Carl Anderson, pendant que l'arbitre était retourné, il a fait RKO, regardez-le! Il était là, Goldust était perturbé. Oh, KO! Et Braun Strowman qui arrive, qui met le petit bras sur Goldust. 1, 2, 3, victoire de Braun Strowman, mais c'est quoi ça? Oh, ce vol! Oh, ce vol de match! Oh, je pense pas que Goldust apprécie ce que vient de faire Carl Anderson. Il va y avoir des répercussions. Vengeance! On est parti pour la suite, Nikki Bella est dans le ring, et Ronda Rousey est bien là, la championne féminine de Smack... Non, non, non! Ah, oh, Ronda qui attaque Nikki Bella encore, mais c'est pas possible! Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce show? Tout le monde attaque tout le monde! Ah, oh, coup de poing de Nikki! Mais c'est pas possible, il y a tout le monde qui attaque tout le monde! Et c'est parti, allez, cette fois, il y a bien un match entre les deux.
Ah, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée entre ces deux women. Ronda, la championne féminine de SmackDown. Et Nikki Bella, ben, l'ancienne championne féminine de SmackDown. Qui veut récupérer son titre. Oh là 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 là. C'est tendu. Dans chaque match, c'est tendu. Dans le match Randy Orton, Zack Ryder, il y a une attaque de Randy. Dans le match Braun Strowman, Goldust. Goldust s'est fait attaquer. Tentative de tomber. 1. Et là, Ronda Rousey qui attaque Nikki Bella. Incroyable. Nikki Bella. Ronda qui la repousse. Oh, kick sur le torse. Et regardez, elle lui arrache le bras. Elle lui tire le bras. Oh, Nikki qui s'échappe. Belle esquive. Ça veut peut-être dire qu'elle a peur aussi. That's the baddest woman on the planet. Elle la ramène au sol. Non, elle a pas si peur que ça. Elle la maîtrise en fait. Non. Non, 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 non. Elle la ramène au sol. Elle a relevé Miranda qui contre. Oh, ce coup de poing. Et le coup de pied sur le bras maintenant. Ronda, regardez, prise de soumission sur Nikki Bella. Elle s'échappe. Que fait-elle? Elle projette Ronda dans les cordes. La clothesline, non. Elle la ramène au sol. C'est bien fait, sa très belle exécution. Oh, regardez, elle fait des pompes, elle fait des pompes. Elle se vante en plus. Oh my god. Que c'est pas sympa. Et le DDT sur Ronda Rousey. Tentative de tomber de Nikki Bella. 1. Et le dégagement. Simplement 1. Et le coup de pied maintenant sur la face. Elle relève Ronda. Et le neckbreaker porté par Nikki. Attention. Elle a pris Ronda. Elle l'a bloqué dans les jambes avec le petit coup de coude qui suit. Non, Ronda qui compte manchette à l'européenne. Attention Ronda, le retournement, le gut shrek, powerbomb à la Jack Swagger à l'époque. Elle projette. Oh, coup dans le dos. Oh, coup de coude de Nikki. En tout cas, Ronda montre qu'elle est vraiment agressive. Elle attaque Nikki Bella. Elle a pas peur de se battre, Ronda Rousey. Et ça, on le sait. Elle a prouvé à multiples reprises à l'UFC. On ne doute pas une seule seconde de la combativité de Ronda Rousey. Attention. Oh, la clothesline à nouveau. Non. Oh, elle se jette. Elle a relevé Nikki. Attention. Oh, oh, oh. Oh, elle va terminer le match. Ah, oh, prise de finition. Mais c'est pas possible. 1, 2, et non. Nikki Bella qui se dégage. Ah, elle est bien résistante, Nikki Bella. Ne surtout pas la sous-estimer. Mais Ronda va pas la laisser. Coup de pied. Oh, si ça passe, ça va faire mal. Ah, oh, le Jujigatame, est-ce qu'elle va abandonner? Non, elle a réussi à s'échapper. Oh, heureusement, heureusement. Heureusement. Ça aurait pu être décisif. Faut pas que Nikki, elle se laisse faire. Hein. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Hein. 1, 2, et non, dégagement. Simplement 2. Nikki Bella qui va peut-être faire son sa prise de finition. Non, torsion du bras. C'est une clé de bras là plutôt. Oh là 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 là, ces coups de poing. Allez, le Samoan Drop sur Nikki.
Tentative de tomber. 1, 2, et non! Et non, et non, et non. C'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Attention, non, 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 Rwanda. Rwanda, le Juju Gatame à nouveau. Le non, Nikki Bella qui réussit. Ah, peut-être à se dégager. Oui, c'est bon, elle s'est dégagée. Oh là 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 là. C'est chaud bouillant. Regardez, ah, la torsion du bras. Oh là 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 là. Et le body slam. Oh waouh. C'était bien puissant ça. Oh, le backbreaker porté par Nikki. Et ça plaisante pas du tout quoi. Oh, le saut chassé. Et elle a repoussé Ronda. Crossline Ronda Rousey. Et là, Ronda, regardez. La prise de finition à nouveau. Allez. 1, 2, et non. Dégagement à nouveau. Mais what? Incroyable, c'est pas possible. Elle a encore réussi à se dégager. Incroyable. Mais Ronda, le Juju Gatame à nouveau sur Nikki Bella. Qui réussit encore une fois à se dégager. Incroyable, c'est incroyable. DDT de Nikki Bella. Elle relève Ronda. Elle la projette. Oh, Ronda qui passe par-dessus la troisième corde. Waouh. Elle a relevé. Ouh, Atemi. Elle la ramène dans le ring. Alors, coup de coude dans la face. Ce match est très intense entre les deux superstars, entre les deux women. Oh, joue genou. Elles n'arrivent pas. Et tentative de tomber de Nikki. 1, 2. Eh non, toujours pas, toujours pas. Ça y est, presque, presque, il manque rien pour battre la championne. Allez, Nikki, on perd pas espoir. You can do it. Oh non, 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 non. Le Rock Attack 2.0 de Nikki Bella sur Rousey. Ronda Rousey de tomber. 1, 2, et non, toujours pas, simplement 2. Oh là là. Incroyable ce match, incroyable. Elles nous font quoi, les deux, là? Oh, Ronda qui revient manchette à l'européenne. Oh, Ronda, le retournement, le catch-track powerbomb. Attention, elle la projette en avant. Oh, coup de poing dans la face. Non, elle la repousse. Ronda, oh, le plaquage et l'enchaînement de coups de poing sur Nikki. Et la tentative de tomber. 1, 2, et non, dégagement une nouvelle fois, ça suffit pas. Hein. Il va en falloir plus. Avec ce petit étirement du bras. Oh, c'est un petit étirement. Ronda qui commence à perdre patience, tentative de tomber. 1, 2, et non, toujours pas, toujours pas. Et il faut faire une troisième fois la prise de finition. Hein. Oh, ça y est, elle a pris, elle a bloqué. Elle a bloqué, elle va l'étouffer. Et non, Nikki qui s'échappe. Incroyable. Le neckbreaker porté par Nikki Bella. Et allez. Torsion de la tête maintenant, portée par l'ancienne championne. Qui n'est pas accompagnée de sa sœur. 1, 2, et non, dégagement.
Les coups de coude sur l'épaule. Ronda qui peut être en difficulté. Nikki qui se laisse pas faire. Oh, le spinebuster de Nikki Bella. Et là, la Trinity. Ça fait mal. Nikki qui va prendre de la hauteur. Je le sens pas là. Non, je le sens pas du tout. Oh non, je le sens pas. C'est une mauvaise idée, Nikki, tu le sais. Unrakanrana et la tentative de tomber en le vol. Un, deux, et dégagement une nouvelle fois. Mais c'est pas possible. Nikki qui va peut-être faire la prise ultime. Oh, une troisième fois. Le rack attack 2.0, la troisième fois. Oh, Ronda, elle va lâcher là. 1, 2, et 2. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Elle s'est encore dégagée. Elle est imbattable, Ronda Rousey. Imbattable. Ah, elle projette Nikki en avant. Elle va rien lâcher, Ronda. Elle va rien lâcher. Ça, c'est la combattante que l'on connaît. Oh, elle a pris Nikki sur les épaules. Attention. Oh my god, mais c'est pas possible. Et tentative de tomber. 1, 2, et 3, c'est fait cette fois. Ronda Rousey qui bat Nikki Bella. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible ce match de fou qu'elles nous ont foué. Incroyable, incroyable ce match, hein. La résistance de Ronda Rousey qui a subi pas mal. Et jusqu'à... Elle a rien lâché. Elle a dit, je subirai. Mais je battrai Nikki Bella. Et c'est ce qu'elle a fait. Incroyable, cette championne féminine de SmackDown Live. Quel match, quel match, quelle performance des deux. La suite de ce show avec le main event qui nous attend. Et c'est pas n'importe quel main event, vous le savez, vous le savez. C'est un main event de fou qui nous attend. On espère qu'on va avoir de l'action, du spectacle, tout comme le match de Ronda Rousey et Nikki Bella qu'on vient d'avoir. Car on accueille également un champion, sauf que lui c'est le WWE Champion, Finn Balor. Prince Devitt, comme à la bonne époque. Le WWE Champion. Oui, c'est bien lui, Finn Balor, qui a ce titre depuis quelque temps déjà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir champion, Finn Balor. C'est ça qu'on voulait. C'est exactement cela que l'on voulait. Finn Balor, champion, et on l'a déjà. Donc c'est parfait. Maintenant, la question est de savoir pour combien de temps. Pour combien de temps. Et ça fait peur. Car il y a un homme qui se met, on va dire, sur la route de Finn Balor. Ils vont s'affronter ce soir. On rappelle, le titre n'est pas en jeu. Mais l'issue de ce match peut être décisive. Ou pas. Ou pas. En tout cas, on va voir. Et ce serait vraiment bien qu'on ait ce match pour le titre lors de TLC. Vraiment. De toute façon, on va vite le savoir. Et les matchs vont être annoncés petit à petit.
Silence sur le plateau. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, avoir le silence sur le plateau? Ah, ça! Mais oui, c'est bien. Le Miz, accompagné de Maryse ce soir. The Miz qui nous vient d'Hollywood, dont il est l'acteur principal de The Marine 6, que j'ai bien aimé contrairement aux autres, au précédent avec le Miz. Hein, le 3 était bof, le 4 était nul, le 5 était nul, mais le 6 est superbe. Enfin, superbe, c'est un bon téléfilm, quoi. Voilà, c'est pas un truc de fou, hein, mais c'est un bon téléfilm, j'ai trouvé. Et il est accompagné de Maryse ce soir, son allié, sa femme, hein, tout simplement. Mais ce soir, elle peut être l'allié qu'il faut au Miz pour battre le champion de la WWE et le mettre en confiance à souhait. En confiance, hein, pas en confiance. Donc, Finn Balor et The Miz, c'est parti pour ce main event. Et les fans qui scandent Finn. Ok, ils sont chauds. Je confirme, ils sont chauds. Attention, il le projette dans les cordes. Et le saut châssis esquivé. Oh, le Miz qui revient. Bien, c'est bien ça. C'est très bien. Oh, coup de pied dans l'abdomen. Poids sur la face, le Miz qui met les points sur les i et les barres sur les t en ce début de match. Montre de quoi il est capable direct et c'est exactement ce qu'il faut. Tentative de tomber. Mais non, mais c'est beaucoup trop tôt là par contre. C'est beaucoup trop tôt le Miz. Il voit un peu trop loin là. Finn Balor qui le ramène vers le centre du ring. Oh, ça sent pas bon ça. Oh là, un retournement. Face première, face contre le coin là. Et Maryse qui peut rien faire. Maryse qui ne peut rien faire. Quel dommage. Sur le petit paquet du Miz. 1, 2, et le tricheur, non, simplement 2. Wow. Projection dans le coin. Le coup de pied. Non. Elle fait tomber. Et on fait une balle avec le leg lock trop près des cordes. L'arbitre a demandé à casser la prise. Et Finn Balor, on est à l'extérieur maintenant. Et Finn Balor qui fait des gestes. Oh, le saut chassé du Miz contre Finn Balor qui se tape contre le rebord du ring. C'était dangereux. C'était dangereux. On est encore à l'extérieur du ring. Maryse qui ne peut rien faire à part regarder son mari se faire battre pour l'instant par Finn Balor, se faire dominer. Rien ne dit que ça va changer entre temps. On est à 3. Il le remet dans le ring. Et c'est bon, tout le monde est de retour dans le ring. Le Miz qui esquive, qui revient, qui porte Finn Balor. Celui-ci s'échappe et le repousse. Est-ce qu'on va avoir un coup de grâce ce soir? Est-ce qu'on va avoir un skull crushing final? Je ne sais pas. Oh, mais en tout cas, on va avoir le fabuleux saut chassé. Oh, le Miz catapulté, quoi. Et ce qui suit après, généralement, vous savez,
J'en ai parlé il y a quelques secondes. Le coup de... Qu'est-ce qu'il va ? À l'ennemi, il faut enchaîner. Oh non, c'est Finn Balor. Le body slam qui enchaîne. Tentative de tomber. Un. Dégagement. Il a esquivé le coup de grâce. Oh. Saute sur le Miz. Comme lors des Survivor Series, quand Finn Balor affrontait John Cena. Cena avait esquivé le coup de grâce et il avait enchaîné avec le Attitude Adjustment pour battre Finn Balor. C'était magnifique, sauf que là, le Miz n'a pas pu enchaîner avec le Skull Crushing Final. Oh, mais il va faire le Figure Four Leg Lock à la Nature Boy Ric Flair. Est-ce qu'il va faire abandonner Finn Balor? Et non, il va y retourner la prise. Il a retourné la prise. Et la prise a été lâchée. Trop de douleur. Projection dans les cordes. Non, coup de coude sur le genou. Finn Balor qui a le mis sur les épaules, celui-ci contre lui, il le ramène au sol. Oh, ce genou au milieu du dos. Le Miz qui pour l'instant savoure ce moment de Last Man Standing Match. Non, pas Last Man Standing Match, mais cette scène de Last Man Standing. Attention. Oh, contre le coin là. Il reprend le dessus, le Miz. Ce serait vraiment bien que le Miz devienne WWE Champion. Même si je souhaite que Finn Balor le reste, hein, mais... Attention, tentative de tomber. Et il s'est décordé le tricheur. Eh non, dégagement. C'est triché, ça. C'est triché, le Miz. Oh, coup de coude. Oh, encore il se jette. Oh, et encore. Saute sur le Miz. Et il le projette dans le coin. Oh, coup de coude du Miz qui le repousse. Allez, prise de tête maintenant. Portée par The Hollywood Megastar. Et Finn Balor qui s'échappe. Un coup de pied du Miz. Ouh, oh, ça se vante. Descend du coude. Et le prise mâchoire de Balor. Attention, Balor, le retour de mon... Oh my god, il ramène au sol. Est-ce qu'il va le tenter? Fait une Balor sur le haut de ce coin. Avec le coup de grâce porté sur Damez. 1, 2 et 3 victoires de Finn Balor. Il a réussi à le mettre ce coup de grâce. Victoire de Finn Balor. Oh, attention, le Miz est debout. Attention, le Miz est debout. Oh, il a l'air un peu dégoûté. Ah, Finn Balor qui propose un serrage de main. Oh, le Miz qui refuse. Ah, il a la défaite mauvaise, le Miz.